On continue. Écoutez ça, c'est une bonne affaire. Une bonne affaire à dire. Pendant que je marchais, pendant que je filmais tantôt les palmiers, je me suis regardé, j'avais au moins, je l'avoue, c'est pas une joke, là, je le jure, là, 10 maringouins, ses bras, en même temps qu'il me suçait du sang. Je commençais à être faible d'un coup. Je commençais à me sentir blanc, puis faible. Fait que là, je les ai empouffés, c'est tout. C'est quoi ça, ce marde-là? Bon, yes, sir. Estructura 81-13, El Castillo. Hey, franchement, il est pas mal bien conservé, celle-là. C'est ça que je dis, tu veux? C'est ça que je dis. Tu vas voir des ruines dans des trous perdus, là. Aïe, aïe. Asti, il est vraiment beau. Juste celle-là, ça valait la peine de payer pour 2,5 piastres. Pas mal intéressant. Mucho intéressante. Mucho interesante. Regardez la terre, comme ça, c'est vraiment spécial. C'est une belle structure. Oups, j'ai accroché le piton. Nous sommes présentement à l'arrière de la pyramide. El Castillo. Nous sommes devant les marches, présentement. On va aller faire un petit tour en haut, voir ce que ça dit. Bon, je suis présentement en haut de la pyramide. Là, en haut, ce que les marches finissaient, là, je ne pouvais plus monter pantoute. Ça ne marchait plus. Fait que là, j'ai fait le tour par ces affaires-là. Là. Sans tomber, bien sûr. Par là aussi, il y en a un autre. Fait que là, on peut remarquer ici, il y a un toit temporaire. Là, pour que le soleil arrête de maganer, puis la pluie, puis ça, il arrête de maganer les hiéroglyphes. Fait que ça a été réparé, là. Ça, c'est pas original, ça. C'est impossible. C'est trop blanc. Fait que là, on va essayer de rentrer dedans, voir ce que ça va donner. Là, je rentre en même temps que vous autres pour la première fois, là. C'est ça a été réparé. Pour moi, c'est en train de tomber. Fait que là, ils ont réparé ça vite fait. On peut voir que c'est pas mal le même principe que toutes les pyramides qu'on a vues jusqu'à là. Oh shit, yeah! Fuck! On peut rentrer là-dedans. Faites voir comme chez diable. Mais ça, c'est pas une minute. Ok, je pense qu'on va oublier ça. Je rentre pas là. On voit rien pantoute. Avoir une flashlight, peut-être j'ai arrêté, mais là, on oublie ça. Donc, c'était Pascal Hull. Les pyramides de Mouyil, je crois. La Forticon. Mon chapeau de cochonnerie vient de Cancun. La pyramide. Et le Golden Gate. Bon, ok, ça c'est le devant de la pyramide. Mais là, mon but, c'est d'aller en haut. C'est ça mon but. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une petite échelle en bas. Il y avait une échelle d'être là. D'être là, il y avait une échelle. Les prix, je l'ai amené ici. Tanana! Là, je vais monter. Faut, là, je suis en haut du petit toit. Asti, Christ, tabarnak, fait chaud. Là, on va au-dessus des arbres. Faut remarquer. La lagune. Le lagon bleu. On est parti au-dessus des arbres. Puis je vais au-dessus de top, là, on va être correct. Il me reste encore un petit bout à faire. Là, ce que j'ai à la chienne, regardez, là, faut descendre là. À peu près, c'est 4-5 pieds de haut, 4 pieds. Faut sauter là. Passer ici. Ici, il y a un autre chemin. Je vais passer ici, là. Ça va être en avant, ça. Ok, je vais y aller. Mais je vais y aller en direct, ce coup-là. Mais si je plante, ça va être comique. Sacramento, j'y étais. Ah, si le bonhomme me voit là, il sera pas content. J'ai triché, j'ai grimpé, je suis le meilleur. Je vais grimper là-dessus. Là-dessus, après ça m'aller en haut là. Et voici, j'ai réussi. Hey, ça valait la peine. Regardez-moi la vue que j'ai. Aïe aïe. Là, c'est sûr qu'on peut marcher pendant 1500 pieds peut-être là.
avec de l'eau jusqu'aux genoux. Aïe aïe. Là, je pense que j'étais à... je pense que c'est comment il a dit 30 pieds? Ou 30 mètres? Non, c'est pas ça, 30 mètres. Non, c'est 30 pieds. Là, je vais pratiquement au-dessus de tous les arbres. Là. Complètement, yes sir! Y'a pas grand chose qui me tient ici, puis je tombe en bas. On rit, mais ça va bien avec des gogounes, là, même. Ça va super bien, savez-vous pourquoi? Ça va super bien! Tout mou, hein? Puis ça prend toute la forme de la roche. Donc, c'était Pascal, sur le toit du monde! El Castillo de Mouillil. Ou le château de Mouillil avec la lagune en arrière de moi. Pensez-vous que c'est pas assez débile ça, hein? C'est pas assez fouette ça? 2,5 piastres pour voir tout ça. La jungle tropicale à l'infini et plus loin encore. Je suis vraiment fier de vous avoir montré cette chose en direct sur cette caméra. J'espère que ce film va rester jusqu'à la fin des temps. Un chef-d'œuvre. C'est une œuvre d'un artiste quand même. Mon nom est Pascal. Je suis un artiste renommé dans la France. Je suis un artiste très connu. Savez-vous ce que j'aimerais, moi? C'est que tout le monde arrête de parler d'un coup, une bonne minute de silence, là. On lève le son de la télé au maximum, aussitôt que j'arrête de parler. Puis vous écoutez juste le son que j'entends présentement. Go!